C'est bien sûr pour moi un très grand honneur d'être ici ce soir pour recevoir le prix international Tony Calvois-Mangold dans sa première édition. Et c'est néanmoins un petit peu une raison de tristesse également. Nous aimerions tous avoir Tony parmi nous pour cette occasion. Et la présence ici en Andorre de nombreux amis et collègues venus du monde entier nous rappelle à quel point il était apprécié de tous et combien il nous manque. Au séminaire, aujourd'hui et hier, il a été question de lui et cité pour ses travaux dans chaque papier, dans chaque présentation. Je n'ai pas eu la chance de connaître Tony personnellement, mais je sais néanmoins que nous partageons beaucoup, bien plus que deux économistes choisis au hasard. Quasiment le même âge, une éducation dans les grandes écoles françaises, une passion pour la montagne, et au moins un co-auteur, Matt Jackson. J'aimerais bien sûr aussi partager la générosité et la grâce dont tous ceux qui l'ont connu m'ont parlé, mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas, malheureusement. C'est grâce à mon travail commun avec Matt Jackson, Abhijit Banerjee et Arun Chandrasekhar que j'ai lu suffisamment des travaux de Tony ces dernières années pour réaliser que notre affinité va plus loin. Bien qu'il était plus intéressé par la théorie économique, alors que mon travail est essentiellement empirique, il semble que nous partageons une idée fondamentale de ce que la science économique peut et doit apporter à la société. Le travail de Tony porte en grande partie sur l'importance des relations sociales. Ces relations non marchandes, les amis, la famille, les collègues, le village, sont le substrat sur lequel toutes les relations économiques fleurissent. Elles donnent forme à cette relation économique et elles les contraignent. Reconnaître l'importance de ces relations sociales, c'est reconnaître que le libre jeu des forces du marché, cher aux économistes, est une abstraction. Elle est utile, mais elle peut aussi nous donner une idée tout à fait fausse de l'idée que prendra une société dans un moment et dans un endroit donné. Pour prendre un exemple concret, dans un monde où les enfants sont influencés par leurs amis, et là où la manière même dont ils forment leurs amis dépend à leur tour de leur situation sociale et de leur ambition, le succès professionnel ne va pas dépendre seulement de l'intelligence ou de l'esprit d'entreprise, mais encore de où et avec qui on a grandi. Il revient alors à la société de mettre en œuvre une politique sociale et économique qui corrige ce phénomène. Une société qui laisse les déterminismes sociaux décider qui réussit dans la vie se prive d'un réservoir de talents. Tout cela paraît sans doute plus ou moins évident à ceux d'entre vous qui ne sont pas économistes. Mais l'ironie est de notre science et que pour beaucoup, il s'agit de s'abstraire le plus possible de ces forces qui dérangent l'harmonie de nos systèmes économiques. Ce n'était évidemment pas la position de Tony, dont tout le travail nous a donné les outils méthodologiques pour penser les relations sociales non marchandes dans le cadre et le langage mathématique qui est familier des économistes. Cela nous permet de réfléchir rigoureusement aux outils de politique dont nous disposons dans un environnement tel que celui-là. Dans sa majeure partie, mon travail prend la suite. La théorie économique, même enrichie, ne nous donne que des suggestions sur le type de politique sociale ou économique qui peuvent être efficaces. Il faut ensuite les mettre en œuvre et les tester rigoureusement. Les résultats nous permettent, à leur tour, de mieux comprendre les ressorts des comportements humains. Je voudrais conclure par remercier très chaleureusement, en premier lieu, le gouvernement de l'Andorre et la Fondation Crédit Andorra d'avoir établi ce prix, la Barcelona Graduate School of Economics d'en avoir accepté l'organisation et le secrétariat. Il ne m'appartient évidemment pas de vous féliciter d'avoir organisé ce prix que vous m'avez attribué. Néanmoins, je voudrais en souligner une particularité. Tony travaillait, comme je l'ai dit, sur les réseaux sociaux. Or, le prix prévoit l'organisation d'un séminaire. J'ai organisé, avec l'aide de Guillaume, ce premier séminaire sur le thème des réseaux sociaux. J'ai pu inviter des chercheurs confirmés et des étudiants. Le séminaire va leur permettre de se connaître mieux, que ce soit dans la salle de séminaire ou dans la montagne. Je sais que Tony voulait organiser une telle conférence, et je suis reconnaissante que la possibilité d'organiser cette conférence ait fait partie du prix.
À cette occasion, je voudrais aussi remercier tout particulièrement Guillaume Héringer, qui a travaillé sans relâche pour que cet événement soit possible. Le connaître est une joie de plus. Finalement, je voudrais remercier tous les amis et collègues qui sont venus pour ce séminaire et de qui je ne cesse d'apprendre. Il est évidemment impossible de tous les nommer pour l'instant, mais deux noms sont inévitables. D'une part, Matt Jackson, qui m'a fait découvrir cette littérature et avec qui travailler est un plaisir et un privilège. Et Abhijit Banerjee, mon ancien patron de thèse, qui continue à m'apprendre tout ce que je sais. Je vous remercie.